Ik zit hier dus in de ICP Studios in Brussel en vroeg de organisatie van dit leuk project hoe ze eraan begonnen zijn. Wie zit er achter? Hoe lang bestaat het al? En hoe ze met de artiesten in contact geraakt zijn. Donc en fait, c'est IMO, European Music Office, qui est une association basée à Bruxelles qui fait du lobbying auprès de la Commission européenne pour trouver des subventions et financer des projets pour tout ce qui est musique actuelle. Qui a entendu parler de fonds qui avaient été débloqués par la Commission européenne dans le cadre de l'année du dialogue interculturel en 2008. Qui a proposé de monter un projet autour des cultures urbaines en fait. Et ça c'est un monsieur qui s'appelle Jean-François Michel qui est à la tête du IMO qui a eu cette idée. Par contre, Jean-François n'est pas non plus un expert en musique, en culture urbaine. Et donc à ce moment-là, une fois qu'il a eu cette idée, il s'est dit il faut que je trouve la personne qui peut m'aider à monter un projet autour du hip-hop et des différentes disciplines de ce mouvement. Et c'est lui qui est allé chercher Laurence Tuitou, qui est en fait une des personnes principales en France pour tout ce qui est culture urbaine depuis des années. Celle qui a, on peut dire, je pense, celle qui a ramené le hip-hop en France. Parce que dans les années 80, en fait, elle était à New York et elle a découvert le hip-hop là-bas. Et quand elle est revenue en France, elle s'est dit il faut que je partage mes découvertes, il faut que je fasse connaître ce mouvement, il faut que je diffuse ce mouvement ici en France. Et elle a monté un show TV. Et donc voilà, elle a vraiment participé à la diffusion du mouvement hip-hop en France. Et puis elle a monté un label, co-monté un label qui s'appelle De Label, qui a signé les artistes les plus connus en hip-hop en France, quoi, type IAM, Oxmo Puccino. Donc c'est elle qui, en 2008 déjà, a conçu tout le projet et c'est elle qui aujourd'hui est encore à la direction et à la conception de ce programme qui est par contre aujourd'hui beaucoup plus grand qu'il y a 2 ans. Laurence Tuitou m'a demandé de faire une recherche sur le hip-hop en Europe. Donc en fait, à la base, moi, je ne connaissais rien sur le hip-hop en Europe. J'ai écouté via les MySpace, via mes connaissances des gens que je connaissais en Europe, leurs recommandations, beaucoup d'internet, les fanzines. Donc j'ai fait une liste en fait vraiment énorme par pays. Ensuite, j'ai commencé un peu à écrémer le tout en écoutant, à faire une première sélection. Et puis après, quand c'est passé dans l'entonnoir, pour la première sélection, il est resté une dizaine d'artistes qu'on a fait valider avec les parrains de l'époque, Akhenaton, Nick Fury et Abdel Malik. Et pour cette édition, rebelote. Na doutrina nem se dialoga, só se droga, se estamina, pouco que é que jogas. Pôs os dedos numa ouvida, tua droga de rima é crime, é como medicina, rezar com o peso na sinagoga. Yeah, teus mães são pares e remos.